Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, on est au Brésil, littoral de São Paulo. La ville la plus proche, la grande ville la plus proche, elle s'appelle Ubatuba. Et je vais vous emmener manger un açaí avec moi. Je vais vous expliquer ce que c'est, pourquoi les Brésiliens mangent ça après l'entraînement. J'emmène les enfants, ma femme est déjà partie devant, ma fille aussi. Et puis on va vous expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Ok Kenji, tu peux nous raconter un petit peu toi, comment t'aimes bien manger ton açaí? Qu'est-ce que tu mets dedans? Du morango. Morango, comment on dit ça? Morango en français? J'ai oublié. Fraise, Kenji, oh là là. Fraise. Ok, fraise. Donc t'aimes bien mettre des fraises, qu'est-ce que t'aimes bien mettre d'autre? T'aimes pas mettre des céréales là, qui s'appellent comment ici? Je sais pas aussi. Et isso? Fala o nome. Céréales. Des granolas, Kenji, des granolas. Donc t'aimes bien mettre des granolas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que t'aimes bien mettre dans l'açaï? Non, je vais pas mettre des granolas. Ah, t'aimes pas, ok, très bien. Qu'est-ce que t'aimes bien mettre alors? Donc t'as dit des fraises, quoi d'autre? Lait en poudre. Ouais, super, super, c'est ça. Du lait en poudre aussi. En fait, au Brésil, en fonction de la région où on est, ils ont une culture différente de comment ils vont consommer l'açaï. Par exemple, dans le nord du Brésil, ils vont beaucoup le consommer en mode un peu soupe, pas tellement comme ici en mode sorbet, plus soupe ou plus jus d'açaï. Et en fait, donc encore une fois, en fonction d'où vous êtes, vous allez mettre certaines choses. Par exemple, Rio ou ici la région de São Paulo, il va y avoir des céréales, bananes. Bananes et fraises, ça peut être mixé dedans directement ou ça peut être coupé en morceaux à part et que vous mangez comme vous voulez. Granola, donc c'est des muesli. Vous avez du, comme il disait mon fils, du lait en poudre qu'ils appellent leite ninho. Toi, qu'est-ce que t'aimes bien mettre dedans, Noir? Ouais, d'accord, super, j'adore. Voilà, bon, on va vous montrer ça. On vient d'arriver à destination. Salut Liliane. Salut. Comment vas-tu? Est-ce que tu peux nous dire toi qu'est-ce que c'est que l'açaï, s'il te plaît, parce que en France on connaît pas ça. Si, l'açaï c'est un genre de plat, un dessert typique brésilien. C'est un fruit qui c'est la baie de l'açaï, petite comme ça, comme violet, plein d'antioxydants, plein de vitamines. Normalement, ils font l'açaï avec du guarana dedans pour source d'énergie. Et mélange avec du granola, céréales, des fruits effilés ou coupés. Quoi. Normalement, fraises ou bananes. Et c'est tout, c'est super bon. On a hâte que ça arrive alors. Oui. Et du coup là on est devant le cardápio, donc c'est la carte où il y a l'açaï. Donc en fait là ici il y a trois sortes d'açaï, donc ils le servent ici que dans un bol, mais sinon comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fonction des régions et aussi ici aussi ils le font, vous pouvez l'avoir aussi en jus, donc c'est directement à boire. Là ce sera à manger avec une cuillère et donc ce sera servi directement dans un bol. Ici ils le mixent, ils le mélangent soit avec banane, soit avec fraise, soit avec cupuaçu. Alors je sais pas s'il y a un terme français pour cupuaçu, je sais pas. En tout cas c'est un fruit du Brésil. Voilà. Et donc le tarif, c'est ça va entre 24 et 26 reais. Donc ça fait à peu près 4 euros 50. Non? Attends. Oui si c'est ça. 4,50 euros. Non, 5 euros pardon. 5 euros pour l'açaï. Et après en extra, c'est 1 euro si vous voulez rajouter des choses. Donc vous avez du lait en poudre, du lait condensé, comme ça qu'on dit en français. Concentré. Concentré, pardon, ouais.
Condensé, c'est en portugais. Fruits, donc à part, du miel ou des granolas, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, les muesli. Et après, comme je vous ai dit, en France, il y a beaucoup de... En France, à Rio, ça va être aussi beaucoup d'autres options par rapport à ici. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir, Liliane, comme autre option à Rio qui propose... Ah, il peut y avoir des trucs très 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 sucrés. À Rio, ils aiment bien manger très sucré, donc... Je sais pas, même des fois, ils vont proposer des Oreos dans certains endroits, des bonbons, des trucs de plus en plus sucrés, donc horrible. Et puis après, vous avez les endroits un peu plus nature, organique, où ils vont vous proposer avec le moins de sucre possible, beaucoup, beaucoup plus naturel possible, même des fois sans guarana, comme ma femme vous l'expliquait tout à l'heure. Le guarana, donc c'est vraiment pour mettre un petit coup d'énergisant, un truc un peu plus excitant dedans. Donc voilà, et donc ça c'est un truc qui est souvent les Brésiliens ils aiment bien manger après l'entraînement, mais en vrai c'est plus une question de lifestyle et plus une question de bah à l'entraînement on a beaucoup transpiré, on a perdu l'énergie, enfin on s'est beaucoup dépensé, donc là ça y est, en fonction de où il est distribué et la qualité, bah il va avoir beaucoup de sucre et donc ça va permettre de refaire un peu le stock d'énergie. Il y a des fruits, il y a des céréales. Enfin voilà, on peut rajouter pas mal de choses, donc c'est pour ça que l'açaï est souvent consommé après. Puis après, c'est un truc qu'on partage, enfin partage. Chacun en prend un, mais c'est un truc qu'on va manger ensemble rapidement après un entraînement. Donc c'est pour ça que souvent au Brésil, ils prennent ça ensemble et après un entraînement. Alors, un petit truc qui est pas mal au Brésil aussi, c'est un truc que je dis souvent à mes stagiaires quand ils viennent sur mes camps que j'organise tous les ans à Rio. En fait, si vous. Alors. En fonction des moyens que vous avez, ou même, c'est quand même sympa, quand vous prenez une eau gazeuse ou une eau, vous pouvez demander à ce que le serveur, ou bref, la personne qui va vous servir, rajoute du citron dedans, du citron pressé, comme là. Donc c'est du citron vert, au Brésil essentiellement, et donc ça c'est sympa. Donc soit on peut l'avoir en rondelle, soit on peut l'avoir en pressé. Normalement, la plupart du temps, ils ne demandent pas un extra pour ça, donc c'est cool quoi. Vous prenez une eau gazeuse, un peu de glaçon, un peu de citron pressé, et ça fait tout de suite un peu un jus sans payer plus cher, voilà, pour ceux qui sont un peu juste niveau argent. C'est sympa, mais après au Brésil, ça reste quand même vraiment pas cher de consommer des fruits pressés au moment où vous commandez. C'est quand même super sympa, c'est pas cher et voilà, vous pouvez avoir ça n'importe où. Et vous pouvez avoir aussi des fruits qui sont que au Brésil, qui sont difficiles d'accès en France. Você viu açaí com banana? Com banana. Tá vendo os outros? Obrigada. Uau! O primeiro está arrivé. Donc celui-là, c'est l'açaí mixé avec le sirop de guarana. Pardon, sirop de guarana. Et avec les fruits coupés comme ça. Noah, elle aime bien la banane. Bah, il y a le muesli qui est là, bah, comme en France, quoi. Et les laits en poudre, bah, pour qui aime, il y a des gens qui n'aiment pas comme ça. Non, ouais, il aime bien. O Cristiano Ronaldo bateu de bicicleta, só que foi na trave. Meu Deus! Ah! Ia ser mais um golaço. C'est bon, Noah? Que amor, eu tô. O outro ele tá acabando de bater ali. Cadê o Kenny? Aqui. Tá gostosinho? Sim. Um petit sandwich en plus, naturel, avec ricotta et poulet. Ça, c'est sympa au Brésil, c'est des sandwichs qui sont souvent faits au moment où vous le commandez. Donc pareil, avec des produits, comment je peux dire, j'allais dire produits naturels, parce que c'est comme ça ici, mais
Voilà, c'est sympa. Ils mettent toujours aussi un petit truc comparé à nous en France. Il y a toujours le petit papier. Comment on dit ça déjà? Le papier pour les mains. Le mouchoir, le sopalin. Une petite serviette autour pour pouvoir prendre le sandwich proprement. Voilà. Et donc c'est très bon. Ils appellent ça sandwich natural. Donc sandwich naturel. Et voilà, c'est pour le goûter. Il est 4h30 exactement. Petit açaï, petit sandwich naturel. Brazilian lifestyle. Allez, on vient tout juste de finir notre grand açaï. On n'en peut plus là. Ici, on est au mois de juin, donc c'est presque l'hiver. Il fait un peu plus frais que d'habitude. Parce que c'est l'hémisphère sud. L'hémisphère sud, c'est l'inverse du coup de la France. Donc quand c'est l'été en France, ici, c'est l'hiver. Et quand c'est l'été ici, c'est l'hiver en France. Donc là, il fait 20 degrés. Alors quand il faisait 20 degrés en France, j'étais en short, débardeur, claquette. Ici, j'ai très envie de m'habiller parce qu'il fait vraiment froid. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit format de vidéo. Mettez-moi un like tout de suite pour me montrer que vous avez apprécié. Et moi, ça me motive à vous proposer plus de vidéos dans ce genre-là. N'oubliez pas aussi que j'organise régulièrement des camps d'entraînement au Brésil, essentiellement à Rio. Vous avez toutes les informations dans la description. Et puis, pour ma part, on se voit dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et puis, on se voit très bientôt. Merci à tous. Au revoir.